Bonjour, bonjour. Nous sommes les Ferchants. Donc, Chouchou, Moustique, Molly et Doudou. Et Doudou. Bon, ben, bienvenue dans notre aventure avec Jack, le camping-car nomade. Qui est derrière, ouais. Voilà. Bon, ben, on partage avec vous toutes nos aventures. On partage nos spots sauvages, bien entendu. Nous, on aime la nature. Pour la suite de ce périple, ce nouveau périple, dont nous partons en direction d'Espagne et Portugal. Espagne et Portugal. Alors, on vous dit pas combien de temps. Non. On ne sait pas où. On ne sait pas. En avant pour de nouvelles aventures. Installez-vous confortablement. Bisous. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Bonjour, bonjour. Bon, ben on a repris la route. Yes. Alors, nous sommes partis. Et nous sommes... Bon, on est toujours en bord de mer. Donc, vous avez la mer juste derrière la dune. Là-bas, on a vu qu'il y avait des restos. On vient d'arriver à l'instant, hein. Alors on ne sait pas si on va passer quelques jours ou si on passe que la nuit. Mais mon cœur. On verra bien. Ouais. On verra bien. Mais là on prend la route vers le Portugal. Hein. Donc là nous sommes à l'Islas Cristinas. Achoum. Mili. Bon demain, normalement, ils annoncent gris. Ils annoncent demain gris, après-demain un petit peu de pluie. Donc là, on est un peu en hauteur, là. Donc l'eau devrait s'écouler là-bas. Alors on va voir ça. Sinon, on reprend la route demain. Voilà, sinon on reprend la route demain. Il n'y a pas de souci. On verra, on verra. Oui, parce que là, on veut changer du bord de mer. Là, on a passé un bon moment. Ça fait que... Ouais. Là, on veut changer. Il rate tout ça parce qu'il a fait, c'est l'heure. Et lui, il veut manger. Qu'est-ce que tu veux, Moustique? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il est beau. Eh, tu veux manger? T'as fait mon cœur. Tu veux les croquettes? Oui, les croquettes. Oui, c'est les croquettes. Tu veux manger les croquettes? C'est les croquettes, mon petit. Eh, tu veux manger les croquettes? C'est les croquettes? Oui. Et toi, Molly? Allez, Molly, on va manger. Allez, hop. Allez. Et toi, t'as faim? Allez, allez, hop. Hop, là. Hop, hop. Attends, tiens. Bon, ben, ça arrive. Hein. Merci. Bon, ben, moi aussi, j'ai faim. Hein. Allez, à plus. Bonjour, bonjour. Bon, je parle doucement parce que Doudou dort encore. Alors, je vous fais un petit coucou. Alors, vous savez, le petit coucou de Moustique. Bonjour, Moustique. Qui dit bonjour aux abonnés. À tous les fers chantipotes. Et Molly. Bonjour, Molly. Molly, elle fait les chouilles de bon matin. Et la jolie plante de nos amis. Et Doudou, elle en prend soin. Hein. Alors, aujourd'hui, on rentre au Portugal. Alors voilà, on l'avait envie hein, depuis le temps. Donc bon, là, on s'est régalé. On a passé un super séjour en bord de mer, honnêtement. Je crois qu'on aurait passé un mois de plus là-bas. Bon, donc là, on va attaquer le Portugal tout doucement. Alors, on va faire une première partie touristique. Tout ce qui est au sud du Portugal, tout le bas. Alors, c'est l'Algarve. En fait, tout le sud, là, alors on va voir. J'ai rien préparé. Je sais qu'on allait faire tout le sud, tout le long. On va le longer. Et on va voir, d'essayer de voir ces lieux. Alors, pour nous, les difficultés, c'est bien entendu, c'est les distances. Si on peut, si on n'a pas besoin de se garer trop loin. Si on peut accéder avec les chiens. S'il y a trop de marches, j'ai vu des photos, il y a des endroits, c'est magnifique. Mais il y a des marches... pour nous, c'est les Jeux Olympiques. Hein. Alors, voilà. Alors là, en fait, nous sommes, comme on vous a montré, nous sommes à Isla Cristina. Voilà. Alors, nous sommes là. Alors, je ne sais pas si vous voyez le curseur. Là, voilà. Bon, je vais le faire le doigt. Nous sommes là. Et en fait, nous voulons aller là. Et là, c'est le fleuve qui traverse.
Et donc, vous avez la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Donc, pour aller ici, nous avons 24 km. 25 km, 24 minutes. Alors, c'est juste à côté. Mais le souci, c'est que là, c'est un péage. C'est une autoroute. Donc, c'est une autoroute. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre un forfait. D'après nos renseignements, on nous a dit qu'il y aurait un forfait à prendre de 50 euros, plus ce passage autoroute. Bon, pour nous, vu qu'on ne veut pas prendre l'autoroute après. Si on aurait dû prendre l'autoroute dans les autres routes, oui, mais là, on ne veut pas. Donc, on ne va pas le faire. Donc, du coup, là, j'enlève, vous voyez, à éviter autoroute. J'enlève, hop, ça change tout. Donc, je suis obligé de reprendre pour ici, prendre la nationale qui va traverser et redescendre. Donc là, nous avons 2h09 et nous avons 148 km. Bon, je pense que normalement, on s'y retrouve. Et vu qu'on a le temps, on va promener. Bon, alors attendez, je vais vous faire un plus petit. Hop, là c'est trop. Hop là, comment peut-on faire? Voilà. Donc, vous voyez là, le Portugal. Donc, on va faire cette boucle. On va aller par là. On va remonter un peu par là. Et après, normalement, on va attaquer les terres. Au bonheur, la chance. Et on va essayer de quitter un peu le bord de mer. Bon, là, on a assez fait. On a envie d'espace vert, surtout. Voilà. Que dois-je vous montrer de plus que je m'étais préparé? Ah oui. Ah oui, voilà. Je suis sur YouTube. Là. Donc, sur YouTube, pour ceux qui cherchent nos vidéos, vous tapez Ferchamp. Vous allez... Alors, hop là, voilà, vous rentrez, faites entrer, et vous avez, voilà, les vidéos ou le logo. Vous allez au logo, là. Voilà. Donc, au logo, là, vous arrivez sur notre site, notre page. Hein. Hop là, on va arrêter ça. Hop là. Vous arrivez sur notre page. Et en fait, sur notre page, vous avez des inscriptions... le long, accueil, vidéo. Bon, je viens de changer la batterie. Alors, je ne sais pas si ça a décollé ou pas. Bon, alors, comme je vous disais, donc là, si vous descendez, vous avez toutes nos vidéos en ordre décroissant. Alors, quand vous cherchez une vidéo où on a été dans un lieu que vous ne vous rappelez plus, vous pouvez aller, voilà. Vous voyez le petit rond avec la queue, là? Vous cliquez dessus, hop là, voilà, recherche, vous tapez le nom de la ville, ou de la région, de la vidéo qu'on a fait, et normalement elle doit apparaître, voilà, c'est comme ça que je fais quand je recherche, quand vous demandez pour les vidéos, donc je vous montre que si vous voulez le faire, voilà, après, dans les vidéos, vous voyez, hashtag 238, c'est la vidéo 238, 237, 236, et voilà, alors décroissant, voilà, voilà, bon, mais les amis, je pense que j'ai dû réveiller Toutou, là, et ça fait que là, on va prendre la route, hein. On va prendre la route direction Mertol, là, donc là, on va faire une heure encore en Espagne, là, tranquillou, en plus, bon, aujourd'hui, c'est annoncé un peu grisonnant, donc ça ira bien de rouler, voilà, donc on va voir si on s'arrête là-bas à Mertol, là, on reprend la route demain ou après-demain. Bon, ça, nous, on n'a pas de temps. Le seul temps qu'on a, c'est qu'il faut qu'on rentre fin avril à la maison. Et voilà, et après, on a. Comment vous dire? Après, on va à. Alors, attendez. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Castromarim. Voilà, ça c'est au Portugal. Alors là, c'est une petite surprise, une belle petite surprise, même pour Doudou. Je pense qu'elle ne s'y attend pas. Là, ça, on va bien rigoler. Je pense qu'on va bien rigoler. Voilà, et fin avril, on rentre dans l'Aveyron. On a la visite à faire pour Doudou, pour son dos. Ensuite, on a reçu un colis d'un partenariat. Ça fait qu'on l'a reçu à la maison. Le frérot, il l'a réceptionné. Ça fait qu'il est stocké à la maison. Ça fait que dès qu'on rentre, on vous fera une petite vidéo de ce partenariat. Donc c'est, alors c'est quelque chose qu'on voulait. C'est quelque chose qu'ils nous ont contacté et vraiment le voulait. On voulait ce modèle en plus.
Donc ça tombe très bien, du coup on va faire une belle vidéo je pense parce que c'est quelque chose qu'on attendait et qu'on voulait, on pensait même l'acheter dans l'été, donc c'était quelque chose qu'on voulait. Donc c'est génial quand ça se passe comme ça, c'est très bien, hein. Alors en plus je vais bien vous le détailler comme il faut. Voilà, mais écoutez, merci de nous suivre pour ce périple en Espagne où on s'est bien fait plaisir. Alors cette année, ça a été formidable, formidable. On a vraiment réussi au niveau météo, au niveau lieu. Jack, alors il marche, hein, c'est du tonnerre. Ça y est, il a passé ses premières maladies, du moins sa première maladie, parce qu'en fait, il n'en a eu qu'une qui a duré. Et là, c'est nickel. Hein. Là, honnêtement, là, on en est très très content. Hein. C'est même l'implantation qu'on voulait, tout ce qu'on voulait, c'est génial. Voilà, ben écoutez, on va attaquer le Portugal. Alors le Portugal, on n'a pas préparé grand-chose. La vérité, j'ai plus préparé l'Espagne que le Portugal. Donc le Portugal, c'est vrai qu'au début on disait l'Algarve, on va pas le faire parce que c'est un peu comme la Côte d'Azur en France. C'est très touristique, ils veulent pas trop de camping-car. Alors, mais on a dit avec Doudou, on va l'essayer par nous-mêmes. On va voir, on va voir. Parce qu'après, chacun a ses points de vue, chacun a ses avis. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas camping. Mais je pense que par rapport à tout ce qui est dit, on va faire plutôt des aires de stationnement. On va voir, on va voir, on va voir. Donc après, c'est sûr que nous, quand on fait moins de camping, si on ne fait pas de camping, on ne fait pas des aires payantes, ça nous permet d'aller voir des choses qui sont payantes, les entrées payantes, et qu'on peut vous partager. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va se faire de belles découvertes. Et on va voir ça, et on vous dira au fur et à mesure de notre aventure. Bon, ben, on vous fait des gros bisous. Hey, vous savez quoi? On va aller voir Doudou, parce que, en fait, j'ai commencé à parler tout doucement, et après, je vais, avec ma voix, je suis parti. Alors, on va voir Doudou. Et... Madame Doudou. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que j'allume? Hein? Si. Qu'est-ce que vous avez pensé? J'allume ou j'allume pas? Ah, je crois que j'ai entendu oui. Hein? Alors, ça c'est le ventilo. Oh là Bonjour tout le monde. Bon ben, hop. Bon ben, je coupe. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. La nuit est à long. Bon ben, les amis, je vous laisse. Hein. Et on se reprend sur la route. Ah, bye bye, bisous, bisous. Bon, ben ça y est, on s'en va de ce spot à Isla Cristina. Vous voyez, on est en bord de mer. On a bien dormi, hein. Je vais laisser passer les voitures derrière. Oui, je sais, j'ai pas mis la ceinture. En ceinture, papy. Ça y est. Ah, là, on est à l'aéroport. Bon, ben voilà. Bon, ben. On était juste là. Hein. Voilà. Bon, là, c'est tranquille. Hein. Ouais. Ça a été tranquille. Oh non, c'est bien. C'est très bien. Bon, ben là, on en a pour une heure jusqu'à Mertol. Hein. Alors, direction Mertol. Hein. Bon, on se reprend à Mertol. Hein. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ce temps. Voilà, elle est pourrie. Il fait pas froid, mais alors je vous dis pas la brume. Ouais. Et là, on vient de regarder la météo, en fait, il y en a bien pour 3 jours. Donc du coup, avec Doudou, là, on vient de changer d'opinion. Merci mon cœur, merci. Vous avez vu comme elle est belle, Doudou? Il fait pas beau, mais alors, hein. Et quel rayon de soleil. Bon, alors... Du coup, comme on a dit, on va, au lieu d'arriver de suite à Castro Marim, on va arriver dans 3 jours. Parce qu'il fait mauvais. Oui, mais c'est pas la peine. Voilà, alors comme il fait mauvais, à la limite, pour pouvoir charger. Parce que bon, le problème après, c'est qu'on ne peut pas charger comme nous. Quand il fait mauvais, on mange du film. Mais ouais. Donc nous, on regarde les films sur Internet et tout ça. Donc ça fait que. Comme j'ai un doudou, j'écoute, on va rouler tous les jours.
Voilà, c'est pas une mauvaise idée. On va faire les petits parcours et on va rouler tous les jours. Hein. C'est pas plus mal, hein. J'ai mon cœur. Attends, c'est le Cerse. Le Cerse. Voilà. Ouais, c'est pas bête. Si c'est pour te trouver, tu vois aussi qu'il y a la lumière. Là, ça y est. On a pris une mauvaise route qui avait assez un mauvais état, mais là par contre, la route est nickel. Elle est bien. C'est dommage, on voit pas trop le paysage avec. Avec la brume. Ouais, on montre maman avec la brume là, qu'il y a là. C'est dommage. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. On y va tranquillement. Donc du coup, aujourd'hui, on va continuer en Espagne. Donc, on ne va pas traverser, comment est-ce qu'on a dit là. À Mertola. Donc du coup, où on dort à Mertola, et on aura fait la moitié du trajet où on s'arrête avant. D'accord. Voilà. On va faire ça au feeling. On vous tient au courant. 60 km vers l'heure. Oui. Bon ben, à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? En ville, c'est 4h90, 120. Ok. Voilà, bon ben, très bien. Bon ben, ok. Molto bene. Grazie mille. Bon, de tout, montre le. On n'est pas en Italie. On est au Portugal. Ouais. Allez, ça y est! Obligado! On y est, ma belle fille, on y est! Hop là! Alors, je pense que. On va traverser le fleuve après. Ah, mais il y a des camping-cars en bas là! Ah, je voudrais aller voir là-bas pour aller manger à midi. Allez, tiens. Allez, je vais faire demi-tour. Allez. Faut que je puisse faire demi-tour. Ça grimpe pas. Voilà. T'en as tout le long, là, j'ai vu, là, des camping-cars. Allez, on va faire un demi-tour. Andrea, c'est le portugais, portugais. Pour Omar, Rayo. Pour la belle fille, Andrea. Ouais. Bisous, ma chérie. Bisous, mon fils aussi. Bisous à tous les portugais. Bisous à tout le monde. Portugais, portugaise, ouais. Portugaison. La moustique lui aussi le dit. Il nous attend, il a dit, il a vu que les potales. Voilà les petits restaurants. Ribera de Chansa. Chansa? Ah, c'est la chansa. Chansa. C'est de la chance. Chansa. Oula, t'as un camping-car qui sort. Ouais, c'est passé. Allez. Je crois qu'il y en a un autre. Ah ouais? Ah si. En fait, tu veux l'aimer, tu sens bon. Il n'y en a plus? Je crois qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, bébé? Si, il y en a un autre. Je crois que c'est. Attends. Ah, il y en a trois. Ok, il y en a trois. Bon, ben, on va attendre. Bon, mais... Il y en a trois. Oh, c'est génial, le Concorde. Ah, mais c'est New Zealandais. Ah, il y en a un autre. C'est tout groupe. Hein. Ok, merci. Oh, ils sont super. Il y en a ils ont tous des gros ailes. Ouais, ils sont beaux, quand même. Hein. T'as vu qu'ils passent limite, là, quand ils remontent. Ouais, t'as vu ? Je viens de le voir. Ils sont tellement longs que l'arrière est limite. Hein. Ah, là, il y en a un autre. Ah, lui il est pas gentil, hein. Non. Toi il n'est pas gentil, toi. Pas gentil. Il y en a toujours un qui n'est pas gentil, ouais. Hein.
Mais c'est chouette, regarde, de voir tous les camping-cars. Non. Il y en a encore un. Normalement, il doit y en avoir un, puisqu'il avait dit deux, s'il est là. Ah. Pour ce qu'on voit. Ah. Payati, Payati, Payati. Tu fais la gueule, hein. Là, tu t'as gueulé avec ta femme ce matin. Payati, elle a pas voulu. Allez, mon bébé, à toi. Ben les deux derniers, tu vois, s'ils tirent au moins. Ils vont passer une mauvaise journée déjà. Ah ouais. Comment se mal. De toute façon, la journée existe déjà. Bon. Nouvel itinéraire. Oui, ben toi, tu peux recalculer. Hein. On va aller se profiter. Faites le moins de côté que possible. Oui. Lui, c'est posé sur la roche. Ouais, ouais. On dirait, tu sais, une petite ville grecque. Ouais, hein, j'adore. Ouais, c'est ça. Village grec. C'est ça, en fait. Et un jour, Jack, on va l'amener aussi. Ouais. Il va nous amener en Grèce. Ça, c'est sûr. Bon, on vous a dit hein, que l'hiver prochain, on vous prépare une petite surprise un peu plus au chaud. Mais on vous a pas dit où et on vous le dit pas. Nanana. Là, c'est plus une surprise. Eh ben oui. Mais regarde, si tu veux téléphoner, elle calme. Pinaise, ça existe encore, ça. Oh, c'est génial. Regarde ça. Nouvel itinéraire. Collector, ça. Ah ouais. Oh, j'adore. Je vais demi-tour dès que possible. Oui. Non, madame, on doit faire demi-tour, c'est là-bas, papa. Ouais. Je le vois. Trop mignon, ces petites maisons, ces cases. Lave le soleil, ça doit être top. Ah ouais. Bonjour monsieur, trop bien. Bon, il y a de la place quand même. Ouais, c'est gentiment. Là, ils ont l'air installés là. On dirait ah, oui. Que ouais. Parce que là, ils ne bougent pas tout ça tous les jours. Par contre, j'ai pas vu de supermarché. Si, t'en as un là-haut, tout là-haut. Ah, punaise. Alors. On descend en bas, non? Hein? Oui. Bon, tu vas dire, on peut descendre en bas. Bon ben voilà, écoute, on va passer la journée là. Eh mon cœur. Bon ben les amis, on va passer la journée là. Et on s'en va demain. Comme de toute manière, ils annoncent le même temps. Ouais. Comme ça, ça roule, ça charge. Et de toute manière, on a le temps. Hein. J'ai une question. En fait, on a fait la moitié du parcours. Hein. Dis-moi, c'est quoi ta question ? On aurait dû changer l'heure là, normalement, non ? C'est crois, une heure de moins, je crois, non ? Je crois qu'il faut reculer l'heure. Allez, 10h29. Pas quelle heure il était. Ah ben ouais, regarde, 11h29. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une heure de moins. Ça nous a reculé l'heure. On se met là ? Ouais. Eh, ça a l'air bien, là. Bien. Oh, attends, il faut que tu sois un peu droit. Voilà. Ça a l'air bien, là. Ça a l'air bien, là. Je sais pas comment il se démerde, Jack. Eh, il est toujours à plat. Ce qui c'est que mon main est... Il est toujours à plat. Bon, tu vois, tu montes un peu droit aujourd'hui, je te laisse faire. Alors attends mon cœur. Ah. D'abord je voudrais montrer les points GPS. Alors tu fais ça. Oui. Alors t'attends que ça loue. Ah. Ici, à l'aéroport du Portugal. Ok. Oui. Alors. Attends. Je crois que t'as trompé. Mais non, regarde. Moi je crois que t'as trompé. Voilà. Ah non, t'as pas trompé, maman. Bon ben voilà les points GPS. Hein. Pour ici. je crois que c'est Berthaud là, hein. C'est son attrice, non? Je sais pas.
J'ai pas vu le nom marqué. Tiens, maman, je te passe la carte. Hey, gars, quelque chose. Comme ça, tu peux sortir avec. Si allez, vous venez avec moi. Si tu veux filmer. Non, les toutous, non. Parce... comme tu le sens. Attends, Mimi. Mimi, il faut que je sorte. Sinon, je peux pas. Je peux pas sortir, bébé. Attends, vous attendez avant. D'abord, je vais filmer, je reviens vous chercher. Regardez comme c'est magnifique. Vous voyez là, on est posé là sur ce spot, c'est pas mal, c'est bien. On n'est pas tout seul. On serait qu'avec ce temps et Jack. Hé, les loulous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sortis tout seul? Oui, papa. Oui. Oui, mon amour, maman, elle est là. Viens, mon cœur, viens. Pas trop près, Molly. Pas trop près. Molly, tu me fais peur, là. Molly, reste là. Molly, moustique. Venez là. Molly. Papa. Je filme là. Regardez ça. Oh, qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière? Ah oui. Oh, ils sont raides des escaliers là. C'est pour arriver en bas. T'as vu, c'est l'eucalyptus? Ouais. C'est joli ça, hein, comme, comme. Ça sent la soupe. Eh? Ça sent la soupe. Ça, peut-être qu'on est invité. Tu crois qu'on est invité? C'est juste ça, sent la soupe. Fille. Non, viens par là, les plaques, ouais. Je ne sais pas comment elles tiennent. Ouais, viens là, viens là. C'est trop dangereux, là. Bon, mais voilà. Vous voyez, on n'est pas tout seul. Petite église, là-haut. Où ça? Ah on oui. Un clocher. Tout à fait en haut, là. Fait frisquer, quand même, ouais, un ouais, peu. Ouais, on va rentrer, là. Ouais, il va falloir sortir les strings encore roulés. Hein. Bon, loulou. Oui. Allez. Bon, moi, je vais voir. Bon appétit. C'est quoi? Non. Moi, je vais faire un petit café. Allez, je te fais un café. Non, non, mais je le fais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Un café aussi. Ah, bon, ben alors, on y va, hein. On y va. Allez, bébé. Allez. Bon, la belle fée. Finalement, la belle fée de s'arrêter là. Hein, hein? Alors, on va être tranquille aussi. Allez. Allez, Gaston. Allez, c'est dur, hein. Allez, hop. Allez, au suivant. Putain, qu'est-ce sou qu'on met. On te fout un bordel, les gens, ils étaient tranquilles. Ouais, je crois. Ouais, c'est tourné sieste. T'as tourné sieste. J'ai mis la position fauteuil. D'accord. Voilà. Ah, il faut regarder si on a la télé. Bon, c'est pas grave. Par tu veux contre, qu'on regarde là. Attends, on va regarder. Je pense qu'on n'a pas Internet. Ah. Là, les arbres sont... Je sais même pas où est le sud, là. Alors, on va allumer. Là, hop. On va attendre pour voir. Pour voir si l'antenne s'arrête. Elle s'est mise toute seule en l'heure. Ouais, mais celle-là, parce qu'elle est connectée. Ah, ok. D'accord. Alors, attends. Je mets mes chaussures là. Hein? Elle n'a pas trouvé. Si, elle a trouvé, on a la télé. Alors, en fait, avant on avait TNT, non, Fransat. Ah ouais. On avait Fransat, et en fait, en dessous de Barcelone, on ne captait plus la télé française, c'était cuit. Donc du coup, là, maintenant, il nous a mis un boîtier. Ce boîtier-là. Alors, attendez, je tourne la caméra. Voilà le boîtier. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Digital Zen Pro. Digital, bon, je sais pas quoi, box, attends. HD, attends. Pour voir, ouais, voilà, c'est ce boîtier en fait, et ça capte, ça nous a mis avec la carte CanalSat, du coup on capte dans toute l'Europe, et normalement dans le nord de l'Afrique aussi, pour capter les chaînes françaises avec une petite parabole, pas de prise au vent. Et bon ben,
Voilà, c'est tout. Allez, bye bye. Alors, merci de nous suivre. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again.